Oh merde! Mec, t'as pris combien de dodo? Je vois même pas les noms! Attends, y'en a quoi? Y'en a une dizaine, non? What the fuck? L'armée des dodos! Oh, je m'en j'ai fous, pas mec. Tout pris parce qu'il y avait un. Attends. Le... Putain, j'oublie toujours son nom là, c'est pas les T-Rex là. Les autres, pas les T-Rex. Les allosaures. Il y avait un allosaure qui en a bouffé pas mal. D'ailleurs, vous l'avez vu un moment. Ouais, j'ai vu un moment, il y avait un dono level 80 qui est mort par un allosaure, je crois. Il y a un truc qui serait énorme de faire, c'est de faire une grande boîte pour faire genre, t'as un super dino dedans, puis en fait, tu mets juste les dodos dans la super grande boîte. Le gars, il met la porte, il voit les petits dodos. Il faut les nourrir, les dodos, ou pas? Ouais, avec des baies. Mais bon, ça va. Oh, le merdier, t'as dû te faire chier, t'as mis tout ça. Mais ils risquent de crever, ou pas? Non, non, non. Bon, les mecs. Alors là, il faut le bouton ne plus me suivre pour tous. C'est bon, normalement. Ça suit plus. Il en reste encore un petit peu là. C'est bon. C'est bon, on a tous nos dodos. Alors, je vous présente Bernardo, qui est là avec Bernardette. Il y a René, Mireille, Marco, Margarita, Zubida, Jean-Mich. Et celui que t'as dans les mains, c'est qui? C'est Godzilla. Ah, c'est Godzilla. Vas-y, regarde, mec, attends, je monte sur le Stego avec mon dino. Ah, j'ai le dodo dans les mains. Attends, je crois que je peux monter sur l'Argentalis avec. Il nous en faut 20, c'est ça? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ils vont tous crever de toute façon, Didier. Mais tu es pas mes dodos, je vais en chercher d'autres. T'as vu, mec, regarde. Le dodo volant. Il est où? Il est dans les mêmes mains. Je peux voler avec. Les dodos. Vas-y, viens, pose-le. Attends, viens, on se fait des passes, mec. Viens, on se fait des passes à dodo. Non, attends, on les pose tous ici. Là, il faut... Oh, je suis rentré dans Margarita. Oh, c'est trop bien, mec. Tiens, Pierre, bon, tu rattrapes ou pas? Ouais, vas-y. Non, mais faut appuyer sur E. Vas-y, fais la passe. Ouais, vas-y. Merde, j'ai pas eu. Attends. Hop. Oh merde. Ouais. Ouais. Bon attends, un petit screen là. Ah mais moi j'ai pris le screen déjà. Attends, c'est quoi, attends, c'est la touche return pour plus rien voir. Ouais. Attends, t'es devant là. Hop. Nickel. Alors, un petit F10, hop. Y'a un dodo mec, il a la bougeotte de pauvre. Oh putain, ils sont beaux. Bon bah voilà les gars, c'était l'épisode des dodos. Y'a un level 190. Mais oui, y'a un level... Non mais c'est... Ouais, 190, il est. Il y a un 195, Margarita elle est 195, mec. Oh oui, encore, merde! Ils ont level up. Il y avait des sacrés levels de dodo, hein. Bah attends, mec, attends, Margarita, tu vas voir. Attends, merde. Attends, ah, Margarita, je vais la faire level up. Bonne, hein. Alors, on va t'augmenter les melee damage. Elle est level 197, mec. Augmente la vitesse, mec, pour qu'il court de partout. C'est trop marrant. Tiens, oh, dodo volant. Ouais, vous là? L'armée des dodos. Attends, mais il y en a combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, je crois. Il y en a 9? Bon, bah ça va, je vais aller rechercher. Il y en a 9. Bon, allez, mec, je clôture mon épisode de la galinette cendrée des dodos. Je vais l'appeler la galinette cendrée dans la vallée des dodos. C'est parfait. Mais du coup, tu l'as pas ta galinette, non? Bah non, mais Misui, j'ai essayé d'en trouver une en fait. Et il faut aller beaucoup plus loin pour en avoir. Ouais, c'est un petit peu chaud d'en avoir. Dans la Redwood, donc du coup je me suis rabattu sur les dodos. Après des galinus en vrai, mec, j'en ai vu sur cette île. Hein. C'est pas grave, on ira chercher une galinette cendrée plus tard. Je suis encore traumatisé avec les allosaures là. J'ai trop fait peur. Allez, des bisous, rendez-vous à la prochaine, Choice. Ouais. Ouais. Attends, je vois rien, Vas-y, attends. Aïe, 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 il bouffe. Attends, remonte. C'est bon. Remonte. C'est bon, mec, il est en sang, hein. Il est pas bien là. Putain de. Il est pas bien. Un allosaure de mort. Je vois rien là, je suis à travers ton. Bouge un peu ton dino parce que je le vois pas, voilà. Nice. Alors tu fais moins le malin, l'allosaure. Et tu crois qu'on peut l'endormir? Non, la chance, il est plus mort qu'endormi en fait là. Il est un peu en sang. Mets lui un coup de pompe. Aïe! T'as bouffé, je crois. Attends. Essaye un coup de pompe. Oh, mais il était niveau 10, MDR. C'est pas grave, au moins c'est clean. Vas-y, passe-moi sur la plage, je récolte son corps. Plouf! Ça, c'est pratique de ça comme mec. Y a de la viande crue supérieure, on se met bien là. Vas-y. Et j'ai de la kératine pour mes cheveux! Ouais! Bon, c'était la petite interlude, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Ramène-moi mon aigle! Vas-y, non, je te ramène! Ramène-moi! Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a tué un allosaure! C'est ça, c'était cool! Mais c'est vraiment sympa en tout cas de pouvoir porter comme ça et toi tu te tires en dessous quoi. Sur la petite toile. Ah ouais, ça c'est vraiment cool, je suppose. Hop! Comment t'as pas pris des dégâts de chute?
Non, non. Attends, mais y a vraiment des dodos, mec, sur la montagne, là. Enfin, genre, ils sont perdus, quoi. Ouais. T'en as un là et t'en as un juste après, en fait. Je vais aller chercher. Opération timing de dodo. Vas-y, vas-y. Toupidou. Toi, tu leur donnes 6-7B. Ouais, bah vas-y, hein. De toute façon, y en a un encore en face, là. Attends, on dirait des cormorants, le truc. Il y avait putain de cormorants, quoi. Bon, il y avait le trisseau. Ah, ouf, je me suis fait mal. Attends. Ok, je suis un génie. Attends, regarde. Non, il glisse. Non, non, non. C'est bon. Oh putain. Mec, il est niveau 110, c'est une femelle 110. Tu vas en chier à remonter. Non, c'est bon, regarde. Ah, mais pour rejoindre l'autre. Hein. Je vais le prendre dans les mains, puis tu vas me prendre. Ah, pas con ça. Ah, mais je sais pas si tu peux le prendre quand il dort. Non mais on attend qu'il soit tamé, il y en a pour 2 secondes mec, ça va tellement vite. Ouais, c'est un niveau 110 hein. De toute façon, il y a notre tondeuse là-bas, on a trouvé notre tondeuse aussi, ça c'est cool ça. La tondeuse qu'on mec, il y a un tigre à dents de sabre à côté de la tondeuse, tu veux pas qu'on le gère? On peut le tamer non? Non mais on peut le tuer surtout. Parce que ça les tigres à dents de sabre, il y en a partout, c'est juste qu'il veut nous tuer la tondeuse en fait sinon. Tu veux que je t'y amène? Ouf. On fait gaffe, vas-y attends. Ramène-moi à mon dino là, je veux mon aile volante là. Tu veux ton aile volante? Ouais, mais tu pourras pas tirer sur les volantes. Non, mais c'est pas grave, t'es caté. Ramène-moi le dodo, regarde, on a le dodo, c'est juste que je vais le prendre là. Let's go. Attends. Ah, mais il a déjà tamé le truc? Oui! Mais allez, prends-le dans ton inventaire du coup. Enfin, prends pas dans ton inventaire, mais prends-le dans tes mains et tu peux voler après avec dessus. Mec, quand tu le prends dans tes bras avec le dodo, il est 3 fois plus gros en plus. Il fait genre la taille de ton corps, le truc. C'est stupide. Attends, je vais me poser là. Vas-y, lâche-le à côté. Il y avait l'autre là. Ouais, l'autre il est encore en train de dormir. Mais Je vois pas l'autre. T'étais à côté. Attends, là, ta gauche. Attends, non. Là, ici. Il est un peu caché, mais. Non, mais ce que je vais faire, c'est juste que je pose le premier dodo ici. Ouais. Mais attends, mais il est parti où le tigre? Le tigre était autour du trissé. Mec, il est tamé à 50% l'autre. Ah non mais... Je ne doute pas sur le fait qu'il soit rapide. Je ne doute point. Je fais pas. Ah, y'a le tigre qui est pas très loin du trissé, quoi, ça qui m'emmerde. Après, je sais pas si le tigre va attaquer le trissé en fait. Bah vas-y, porte-moi, viens me chercher là. Là y'a le mien, on sait où on est. Attends, on va faire un petit pause stamina avant quand même, parce que si jamais j'ai plus de stamina... Fais une pause, l'autre il est quasiment tamé, on l'attend juste. Attends, et puis moi je découpe... Oh merde, j'ai tiré dessus comme un connard. Oh putain. Ah putain, y'a encore le dit vol des items qui est là. Oh, le dino de mort. Attends. Il faut juste. Par contre, tu peux pas en transporter 40 hein, des dodos. Ah, quoi que si, tu peux en porter un sur toi et l'autre, tu le transportes en dessous. Enfin, tu la grappes. Tu la grippes plutôt parce que la grapper, c'est pas très français. Attends, faudrait que je découpe mes épisodes, c'est terrible. Ah. L'épisode avant. Non, il fait 24 minutes. Ah non, c'est pas bon. J'ai confondu Robert. Non, il lui manque une graine, c'est bon. Ok. Bon, le trissé est toujours en vie de toute façon, donc ça va. Par contre, j'ai pas de flèche tranquillisante pour le trissé après. J'en ai masse. Moi j'ai des trucs de fusil, mais ça tranquillise pas trop quoi. Ah, attends, il a pas de flèche. Alors moi le mec après il sort pas se réveiller quoi, mais. Je suis en MDB. Le tigre nous arrive dessus, je crois. Ouais, non, ça va. You have time au dodo? Mimimati, quoi, putain. Le respect est en prison. Ils sont amoureux, les deux. Ils crassent pas. Tiens, vas-y, récupère-moi. Bon, hop, let's go. Alors là, c'est pour tuer le dent de sable. Hein. C'est ça. C'est pour tuer la merde qui se balade... Ah, là-bas. Je crois qu'il est en face, c'est ça. Ah là, à gauche, ouais. Vas-y, essaye de pas trop bouger. Je peux pas t'attaquer de là, non? Non, ça va. Je sais pas, redosse-toi un peu, parce que je vois rien, là, en fait. Oh putain, ouais, ça va vite. Attends, j'ai hésité de sprinter. Nice. T'inquiète. C'est bon, tu vois bien là? Ouais. Non, là je vois pas. Ouais, là. Tu vois bien. Dès que t'es immobile, je vois pas. C'est vrai? What? Je tirais dans son tête. Oh, putain, ouais, dès que t'es immobile. Je tourne. Petite manœuvre. Oh, il fuit le con! Reviens là. Il a masse PV lui, hein. Il a plus de PV que la Loser, on en parle ou? Non, j'ai mis une balle de shotgun dans la tête, la Loser. Ah bah, j'arrêtais pas de lui tirer dans la tête. Vas-y, oh, tu pouvais me dropper, je le finissais. Ah bah. C'est bon. Voilà. Après, il est level 50, il est pas level 10. Vas-y, drop-moi. Vas-y. Il va donner de la fourrure en plus, non? Ouais, je la prends. Nice! Non, il donne pas de fourrure lui.
Non, non. Ah, des sous. On fait le trissé ? Bah écoute, stat call tranquillisé, ouais, vas-y, je suis chaud. Ouais, j'ai large de quoi. Ah, je peux lui donner des coups de poing, moi, si tu veux, mais. J'y arrive pas plus. C'est vrai que les bolas, ça marche pas. Attends, tu sais quoi ? Hop, je vais augmenter mon petit. On va augmenter le poids, hein, comme à chaque fois. Hop. Il est level combien ? Après, il est au level, hein, pour l'endormir, c'est chiant. Tu t'es pris un coup dans la gueule, mec. Ouais, oh, les glitch. Dégâts, quand même. Coup de poing ! Coup de poing ! Aïe, 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 aïe. Moi, il fait pas mal, mais il me jarte, en fait, c'est chiant. Ouais, putain, il me jarte. Non, non, il fait mal. Ah, moi, ça va, moi, il me met 0 dégâts. Attends, tu sais quoi, je tempo, vas-y, je tempo. Et on court. Ah. Vas-y. Tu le tempo un peu mieux. Je fais ce que je peux. Et je tempo bien, là. Allez, sur ma gueule, là. En fait, faut que je reste près. Enfin, proche, sans... Sans trop, en fait. Je vise la tête, hein. Vas-y, vas-y, vite. Putain, y'a le truc qui vole les items. Ah, mais ouais, mais si tu vas corps à corps, tu vas reprendre aggro en fait. Oh non, non, non! Putain d'aigle! Appelle-le, appelle-le. C'est pas une question d'appel, c'est une mec, mec, il y a truc de mort. Oh, il m'a volé mes steaks là! Attends, alors toi, par contre, je t'annonce, tu me rends mes steaks. Tiens, rends-moi mes steaks, enculé. Fais gaffe, tu vas te faire défoncer. Attends, il m'a piqué mes flèches, mec. Donc, j'ai bien fait, hein. Elles sont... il les a toujours. Mais attends, moi j'essaye de bait le truc là. Ouais, bait le. Je lui mets des coups de griffe. Vas-y, c'est ça, viens par là. Et continue. Nickel. Il est où, il est où? Oh, il est en dessous, t'inquiète. Juste t'approche pas trop, il va se retourner. Ouais, c'est vieux ça. Non, ça va. Bon, tu dors un jour, frérot, ouais. Ou... Ah, c'est la retraite. En fait, tu es con, je pourrais prendre sur moi, non? Attends, tu sais quoi? C'est vas-y. Bon, c'est bon. Tire. Ouais, c'est tellement plus simple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nice. Ah non, c'est bon, c'est bon. Allez, passe-le-moi. C'est bon, on est good. Est-ce qu'on a des baies? Les mecs, on est chaud. Il faut des baies comment? Rose? Faut des baies de type violette, ouais. Ouais, tiens, bah, regarde ce que je lui ai bien lui donné. Attends, parce que lui, il faut que je le sette mieux, là. Il est en quoi? Il est en... Pourquoi il a attaqué? On fait qu'il soit en neutre. Ah, agressif, bon, les mecs, on a réussi... Alors, désolé, je vous ai pas filmé le combat, mais on a réussi à endormir un tricératops. C'était un peu chaud. Bah voilà, il bouffe des baies. Ouais, bah, il est level 95 aussi. Il y en a pour un petit moment avant. 99,9%. Ouais, bah c'est le meilleur baie, mec, après, en même temps, c'est... t'as des narcos pour le rendormir après ou pas? Au pire, ouais, on est pas loin de la base. J'ai des narcos. Par contre, je pense qu'on a pas assez de baies, hein, 160. Si, non, il va pas manger 160 en soi. Genre... Ça fait un petit peu beaucoup, quand même. Eh ben, on va voir ça. On va choper un trissé. Yolo, yolo. Après, on verra ce qu'on fait. Le problème en fait, c'est que je record tous mes épisodes, là j'en ai pas diffusé un seul pour l'instant. Mais mec, rigole, mais c'est pareil, enfin moi j'en ai un qui diffuse après, mais sinon j'en ai déjà 5. Donc j'espère que. Bah, je verrai avec le retour des gens ce que ça donnera. Mais on fait épisode YOLO, c'est la découverte en même temps aussi. Bah, ça qui est fun, de toute façon, c'est des passages drôles, tout ça, puis. Puis voilà, tu restes avec. Je vais chercher mon truc là-haut. Vas-y, ça marche. Je fais caca. Ouais, on a pris deux dodos en plus, les mecs, hein. Au passage. On en a 11 maintenant. Le mec, il y a tellement de dodo là où je suis en plus. Il y en a partout. Ah, level 125. Attends, je suis fatigué par contre. Là, il est du level combien là? Du bon level 70. C'est la plage de dodo. Après, tu m'étonnes que prof de maths, il trouve plus de dodo. Oh, on a pris tous les dodos de l'île, mec. Oh merde. Ouais, de l'île chez nous, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez. Bon, alors on se retrouve un petit peu plus tard, les gars, un petit peu plus tard, et oui, et regardez ce qu'on a là-dedans. Oh là là, attendez, ça frise un petit peu, il y a Master qui sont en background. On a je ne sais combien de dodos, et encore on en a perdu parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez vu qu'on était sur la plage avec Pierre, tous les dodos, ben, on n'avait pas été transportés en parent en volant, enfin on aurait pu, mais c'était chiant. Du coup, on les a ramenés par la terre ferme, sauf qu'il y a des petits gars dans le sable qui ont bouffé la moitié des dodos. Donc voilà. Alors juste attendez, je vais faire ça, on va fermer tout ce qui saoule derrière, hop, voilà. Donc voilà, on a un petit dodo. Alors on a combien? Ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a une quinzaine de dodos. Donc c'est cool. Je crois que Mitsu en fait il voulait des dodos concrètement, c'était pour faire des œufs. Enfin pour avoir des œufs de dodo.
Je sais même pas s'ils en pondent en fait, mais apparemment peut-être qu'ils peuvent en pondre. Et ce serait pour faire des kibbles. Alors qu'est-ce que c'est des kibbles en fait? Vous savez, quand vous voulez tamer un dinosaure, il y a différents types de bouffe. Par exemple, il y a des dinosaures qui veulent de la viande, ils peuvent prendre de la viande de poisson crue, de la viande de poisson cuite, de la viande normale crue, de la viande normale cuite, de la primordiale et tout ça. Mais au-dessus de tous ces trucs que je vous ai cités, il y a les kibbles. Et en fait, chaque dinosaure a besoin de kibbles spécifiques. Je crois que par exemple, pour un stégosaure, il faut des kibbles de dilophosaure, je sais pas quoi là. Enfin, le truc de merde. Et ainsi de suite, en fait. Et c'est ça pour chaque dino. Pour le Quetzal, je crois qu'il faut des œufs de T-Rex. Bref, c'est assez compliqué. Bon, de toute façon, il y a le Witches de Ark qui est là pour ça. Mais c'est pour ça que à chaque fois qu'on a des œufs, en fait, on essaye de les garder et qu'on les met tous dans le petit frigo qui est là-bas. Alors, où c'est qu'il est le frigo à 9? Voilà, donc là on a les œufs de Tyrannodon, on a des œufs de Parosaur, on a des œufs de Pachyphé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 
Ils aident l'Argentalis parce qu'ils sont quand même lents en fait. Genre à chaque fois que je mets un point dedans, ça donne que 2,5% en plus. C'est pas forcément ouf, je penserais quand même plus worth à chaque fois d'augmenter le poids et de, ou d'augmenter la stamina. Même si niveau stamina, en vrai, je fais un aller-retour du volcan sans le poser, il a encore de la stamina. Donc ça, c'est pas le souci. Autre chose aussi du coup que j'ai fait, bah pour craft ce fameux C4 en fait que j'ai dans l'inventaire, j'ai dû fermer pas mal de silice parce qu'il fallait faire des circuits électroniques dans le fabricator où j'étais tout à l'heure en train de vous montrer pour l'arc. Et pour ces circuits électroniques là, il faut beaucoup de silice en fait comme j'ai dit. Et en fait ces silices là, on peut en trouver soit en tuant je crois des trilobites, donc des petites, vous savez, des sortes de trucs qui ressemblent à des fossiles qui sont au bord des plages, mais ça j'en ai presque pas trouvé, j'en ai trouvé qu'un, je l'avais pas tué la dernière fois. Soit vous en trouvez aussi dans les lacs là sur le volcan, il y a des lacs où en gros il y a des perles, enfin il y a des coquillages. Et quand vous allez approcher les coquillages avec la main vide, vous appuyez sur E sur le coquillage et vous récupérez pas mal de perles. Bon, sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois dans les lacs, il y a genre une chier de piranha. Du coup, c'est un petit peu chiant à chaque fois tout tuer. Mais j'ai fait un petit aller-retour tout à l'heure et je me suis chopé 400 de perles, donc c'était cool. Comme ça, j'ai pu me craft mon C4. Je sais absolument pas sur qui le jeter. Bon, alors on s'approche, je crois qu'on arrive au volcan. Hein. On arrive au volcan. Et vous voyez, genre, là, je viens de faire la base, le volcan. Sachant qu'en théorie, bon, ça représente quand même une petite trotte. Hein. On peut voir sur la carte, merci le soleil, comme quoi bah, on a traversé l'équivalent de deux îles presque. Et on a perdu un tiers de stamina, même pas. Donc voilà, on est quand même good. Et voilà, là on arrive sur le volcan. Alors il y a un petit peu de tout, on peut voir qu'il y a du cristal, comme ici. Oui, on va se poser, c'est bon, il n'y a pas de dino offensif. Et puis il y a une lumière qui arrive. Bah, c'est quoi, on va en profiter pour prendre l'engramme en même temps. Donc on peut prendre un petit peu de cristal, comme ici. On peut prendre, je crois que ça c'est de la pierre normale. Il y a du métal ici, et il y a de l'obsidienne. Attendez, l'obsidienne était là-bas, là où j'ai atterri. Il y a de l'obsidienne juste là. Vous voyez, c'est en fait ces petites pierres qui sont vraiment brillantes. Et si jamais vous les minez à la pioche, vous obtenez pas mal d'obsidienne. C'est comme pour le métal, et pas mal de stone. Donc voilà, j'ai gardé de la stone aussi un petit peu, je pense. Attendez, l'obsidienne prend combien de place? L'obsidienne prend pas mal de place en plus. Ah, j'ai du bois sur moi, putain, de fuck. J'ai mon arme qui me prend pas mal de place. Ouais, j'ai pas mal de trucs qui me prennent du bois. Bon, je vais tout mettre dans l'argentalis, je vais mettre le bois, je vais mettre le métal, je vais mettre l'obsidienne, je vais mettre toutes les conneries que j'ai dans l'inventaire. Hop. Alors, ça tu prends. Ah oui, je crois que j'avais retiré ça du tricé justement, j'ai oublié de les poser dans la base. Hop, j'ai de la gunpowder carrément, j'ai oublié de mettre pour faire des munitions. T'as un merdier, j'ai un œuf. Ah, j'ai pas déposé lui. On avait chopé un petit œuf quand on était sur la plage avec Pierre en train d'essayer de tamer le tricé. Ah, alors bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'engramme? Je crois que c'est une lumière blanche, donc c'est une lumière pas ouf. Wait. C'est quoi qui bouge? J'entends un dino bouger, non? J'ai accédé au truc? Ouais. Ouais, c'est vraiment pas ouf hein. Même la spark, ouais, non, c'est vraiment une lumière blanche, hein, comme j'ai dit. J'ai cru de loin en fait, vous savez, voilà, il y a des petits reliants lumineux, je croyais que c'était autre chose qu'une lumière blanche, mais apparemment pas. Du coup, bah, rect. Attendez, on va juste siffler lui pour qu'il vienne me suivre, comme ça je peux même faire le retour si jamais je suis encore. Ouais. Attends, ça donne pas mal de stone quand même, malgré le fait que je prenne ça à la pioche. Je suis étonné. Y a pas des masses d'obsidienne en vrai, hein. Y a pas des masses d'obsidienne. Oh, quoi que si, ouais, si, ça va. De toute façon, c'est juste pour faire de la polymère. Et d'ailleurs, en fait, la polymère là, donc j'ai besoin pour faire mon arc, on l'obtient aussi sur les pingouins. Les pingouins, quand on les tue, je crois que ça donne de la polymère. Bon, après, c'est pas forcément pour ça qu'ils ont ramené un petit pingouin, mais si jamais on va sur la banquise ou autre, on peut fermer de la polymère aussi. Aïe, oh putain, le bruit. Arrête de bouger! Arrête de bouger, frérot. Alors, on va te mettre la stone, t'as combien en poids? 288 sur 600, on est good. On est pas embêté. Est-ce que je ramène un petit peu de cristal? Je pense que j'en profite aussi tant que je suis là pour ramener un petit peu de cristal, parce qu'on en a plus trop à la base. Hop. Tou-tou-tou. Et voilà, là de toute façon ces épisodes là c'est un petit peu des épisodes comment dire de farming slash construction, enfin construction de craft d'items. Je pense que les prochains épisodes sera un petit peu plus du timing en mode bah tel jeu, enfin tel épisode sera explore, enfin épisode timing pour par exemple je sais pas choper un mégalodon, un truc à la con comme ça. Voilà, faudra qu'on fasse des cavernes, faudra qu'on fasse des pranks aussi, faudrait quand même qu'on commence à prank un petit peu chez les autres. Parce que c'est vrai que nous au final on est quand même pas mal avancé, mais faudrait qu'on aille prank chez les clics. Alors chez les clics c'est compliqué d'aller prank parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est connecté. D'ailleurs il y a Mitsu qui s'était fait tuer par la team à Alex. Putain, il me saoule. Ah, il me saoule, puis en plus je suis encombré. Ce qui est embêtant. Qu'est-ce qu'on va jeter? Attendez, on va juste jeter le cristal le temps que je puisse me déplacer et poser le métal dedans. Arrête de bouger! Non mais il s'en va le bout du monde, reviens là! Est-ce que j'ai accès? Oui. Alors, obsidienne, stone. Oh, on a un champignon rare, c'est cool ça. Juste sur le cristal, ça je crois. Voilà, on va récupérer le cristal, on va finir l'obsidienne. Comme ça, on aura un petit peu de ressources. Nickel. Je pense pas avoir besoin de plus de ressources que ça en soi. Niveau métal, on a encore pas mal à la base. Puis au pire, comme j'ai dit, enfin, vous savez qu'on a le spot de métal qui est vraiment à côté, donc ça c'est pas un souci. C'est vrai que le volcan c'est déjà un petit peu plus loin, un petit peu plus chiant à y aller. Là ça va quoi. Genre le métal c'est clairement raisonnable. Par contre, je sais absolument pas par où faut rentrer. Appuyez un petit peu lourd le pigeon là. Ah, à ce rythme là, ça va être chiant. Ça va être long et chiant à ce rythme là de rentrer, mais bon.
Sur ce, je pense que les mecs, bon, on va faire une petite ellipse, le temps que je rentre, parce que bon, si jamais je vais peut-être pas rester 40 minutes comme ça. Je pense que je vais essayer d'attendre. C'est quoi? Y a pas une lumière? Y a pas des lumières sur le volcan, parce que là-bas, c'est les lumières qui sont dans la flotte. Je crois qu'il y a une lumière sur l'île. On va aller voir la lumière jaune sur l'île aussi. Je vais faire une petite ellipse, le temps d'y arriver. Quoi, attends, y a pas un truc que je peux jeter dans l'inventaire? Je pense que au pire, je vais jeter la pierre, parce que ça, la pierre, on l'a tout le temps. Ouais, ça prend quand même pas mal de place. Vous savez quoi? Bon, la pierre, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on a besoin pour l'instant. Ah, il va déjà plus vite. Ouais, attends. On fera une ellipse une fois qu'on aura pris la lumière jaune, autant rentrer à la base. Oh, quoi que non, même pas. Ouais, non, bah les couilles des ellipses. On va faire un petit épisode comme ça, tranquillou, où on parle. Attendez. Elle est pas dans l'eau en fait, la lumière, si? Elle est pas dans l'eau, la lumière violette, j'ai l'impression. J'arrive pas à voir d'ici. Je me demande. Ah, j'ai plus, par contre, j'ai plus trop de flotte. Moi, quand je serai sur l'île, elle est à côté de la lumière jaune. J'en profiterai pour boire un petit coup. Hop. D'ailleurs, on a mis tout à l'heure qui est mort en fait en essayant de prendre une lumière. Dans la flotte, et il s'est fait buter par 3-4 mégalodons. Il a tué 2 mégalodons, mais le dernier était trop au level et il s'est fait tuer. Du coup, il y a Pierre qui a dû ramener, qui a dû le ramener en ptérodactyle et tout pour qu'il rechope son staff, c'est un bordel. Mais ouais, bon, je confirme, elle est bien dans la flotte. Donc concrètement, vu que c'est un faisceau de mégalodon, cette connerie-là, j'ai pas envie d'aller tester. Même si je suis pas trop mal stuff, ça me ferait chier de mourir, est-ce que j'ai sur moi. Genre, c'est le stuff que j'ai un peu mis, genre une journée à farmer. Donc ça m'emmerderait un petit peu de mourir avec tout ça. J'ai l'impression qu'il est quand même lent le truc, hein. Je pense qu'il est allé plus vite à l'aller, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. On va voir, on va faire un petit point sur l'île pour voir si c'est pas trop lent. La lumière va me toucher le sol, non? Ouais, je ne suis pas fou. Au pire, la base elle est juste là, hein, elle est derrière les piquets là, donc c'est pas trop long. Encore une fois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, si jamais vous voulez proposer des idées de trucs à faire, d'aller tamer des dinos, enfin quel genre de dinos vous aimeriez bien avoir, je sais pas si jamais vous avez des idées non à la con aussi pour les dinos. Il y a Mitsu qui a repéré un Quetzal aussi, pas trop loin, qu'on soit sûrement demain ou après-demain. Donc pour ceux qui savent pas, le Quetzal en gros c'est un énorme dino volant sur lequel on peut même après poser des plateformes sur lesquelles on va pouvoir construire en fait comme presque une base sur le dino, donc c'est vraiment cool. On pourra mettre des canons, des trucs à la con comme ça, ce sera vraiment pratique. Surtout on pourra faire monter, imaginons on va tamer un T-Rex super loin, on pourra le faire monter sur le Quetzal quoi. Et ça sera vraiment fat. Alors est-ce qu'il n'y a pas des dinos très chiants sur cette île là? Non, ça va, c'est une petite île d'herbivore. Il doit y avoir un ou deux dilos qui traînent, mais rien de bien. Si, il y a toujours ce dino à la con là qui vient toujours vous voler vos items. Mais ça au pire je lui mets deux coups d'épée, il fait pas chier. La dernière fois il m'a sauté dessus, il m'a volé 40 munitions, un sniper, j'étais un peu deck quoi. Un sniper de carabine, ça m'a un peu dégoûté. Alors, je crois pas qu'il m'a vu en plus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, exactement le même truc que la dernière fois, donc on s'en contrefou, on repart. Putain, c'est dommage. A chaque fois que je prends les engrammes, j'ai toujours des trucs pourris. Quand c'est Pierre et tout, ou les autres, là, ou Mitsu qui les prennent, ils ont toujours des bons trucs bien bien cheatés. À croire que je fais un truc mal. Yep. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu cool. Voilà, un petit épisode détente. On aurait fait la moitié de l'épisode plus ou moins avec Pierre en train de tamer nos dodos, notre T-Rex. On aura tué la Loser aussi. Ah bah tiens, parlant d'Allosaur, il y a un T-Rex là. D'ailleurs après on a fait pareil aussi, c'était pour je crois pas que j'étais en train de record, mais c'était pour tamer le Trissé. Moi aussi c'était peut-être en record, je sais plus. En tout cas on avait fait la même strat, je l'avais porté pour qu'il puisse tirer les flèches narcotiques sur le Trissé quoi. Alors, c'est quoi ces petits trucs qui courent de partout là? Oula, il y a un Argentalis par contre. Le problème c'est que lui il va courir, il va voler plus vite que moi si je passe à côté. Attends, c'est con, on va passer en dessous. Parce que si il m'agoue avec le poids, je vais devoir larguer des trucs. Ah, il y en a un autre ici. Vous m'avez pas vu! C'est pas vrai! J'ai rien aggro, j'ai rien fait! Je suis tout discret, tout mignon, tout petit! Bon, on est good! C'est bien, en tout cas, il fait pas trop de bruit, ce putain de pigeon. Pourquoi il y a un T-Rex là? Il y a vraiment des T-Rex partout sur notre île. Hein. C'est vrai que prof, à la base, il avait dit: ouais, on va vous passer une île safe et tout ça. Vu qu'il y a Pierre, il y a Loupio et tout qui débute. Ah bah, paye ton île safe, hein! Par contre, je sais absolument pas où on est. Ok, on est juste à côté de la base. Alors, en théorie, la base, c'est à droite, hein. En théorie. En pratique, je ne sais absolument pas où je suis. On s'en déconne, je suis où? Je suis pas loin de la base normalement. Hein. Genre, pour de vrai, je suis vraiment pas loin de la base. Ah bah, tenez. En fait, je viens de faire littéralement le tour de la base, quoi. Putain, le pire. Bon, au moins on est sain et sauf. On a rentré pas mal d'opsies. Pas mal de... Bon, un petit peu de cristal. J'ai pas pris de silice parce que concrètement, bah, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah, c'est ça, j'ai oublié de vous montrer. J'aurais dû vous montrer le lac avec les perles. Bravo. Je vous montrerai ça une autre fois. Quand j'aurai besoin de silice. Alors, hop. Gentil pigeon. Gentil, gentil. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire que je peux prendre pour l'instant qui prend pas trop de place? Je vais te prendre ça, je vais te prendre ça. Je vais même te prendre... Est-ce que je peux courir là? Ok, on peut courir relativement tranquillement.
Hop, on va mettre ça là-dedans. Autour, on va augmenter. Je sais pas si j'augmente le poids. J'ai augmenté le poids pour une fois. Je veux dire, dernièrement, j'avais pas mal encore augmenté la fortitude et tout. Mais le poids, c'est pas mal pour se déplacer quand on veut faire des allers-retours pour déposer les items. Sinon, c'est un petit peu chiant, je vous avoue. Alors, on va pouvoir mettre notre obsidienne là-dedans. Que j'ai pas prise. Évidemment, on va déplacer le touch là-bas. Je trouve ça vraiment stylé en fait, ces petits rangements à chaque fois pour chaque truc individuel. En mode, dans tel truc, tu mets le bois, dans tel truc, tu as le touch, là-bas, t'as la stone, et ainsi. Je trouve ça vraiment cool. Alors, ça fait 227. Hein. Peut-être le split. Merci de vouloir le split. Voilà. Donc voilà. Je sais pas s'il y a de quoi craft le polymère pour qu'on puisse se faire l'arc avant la fin de l'épisode. Est-ce qu'on aura de quoi se faire l'arc primitive range. Ah, mais il faut masse métal aussi. Il faut masse métal. Est-ce qu'il y a masse métal là-dedans? Il y a masse métal là-dedans. Il y a peut-être moyen qu'on fasse ce truc. Attendez. Hop. Alors. Ouais, comme je dis, il n'y a pas d'ellipse. Hein. Ça sert à rien que je fasse une ellipse. De toute façon. Je ferai une ellipse de 2 minutes, sinon autant que je continue à parler, c'est plus cool. Alors on va reprendre l'obsidienne, on va remettre ça là-bas. Falloir que j'allume la machine, ça va faire un boucan infâme. Hop, ça c'est bon. On va prendre un petit peu de métal, on en prend 112, hein, l'autre au pire je le sens. D'ailleurs, il y a presque plus de métal qui cuit. Faudrait que j'aille refarmer du métal. Le métal tout à l'heure j'en ai farmé 1000, j'étais en mode bon. Non, j'en ai farmé 2000 je crois. J'étais en mode on est tranquille, y a pas de soucis. Et bah apparemment si, y a des soucis. Il y a des soucis de fait que ça coûte masse. Alors, composant, polymère. Ah, on a plus de ciment. Comment qu'on craft du ciment? Question sérieuse. Comment qu'on craft ce putain de ciment? Il faut de la chitine et de la pierre. Ouais. Ouais, j'ai pas tout cramé. J'ai juste craft vraiment de quoi avoir l'arc. J'ai pas envie de cramer toutes nos ressources là-dedans. Ce serait con quand même que j'utilise toutes nos ressources et que personne d'autre après les trucs. Au pire, après la chitine kératine, je retourne quand j'aurai ça, quand j'aurai l'arc, je pourrais facilement farmer en fait. Donc c'est pas un problème. Bah ça va en fait. Non merde, non, c'est pas là-dedans. Non mais si, oh, quoi qu'en fait, au niveau de polymère, je serais tranquille. Je vais quand même faire un petit peu de ciment. On va juste cramer la stone qu'il y a là-dedans. Mettre un petit peu de kératine. Voilà, on va faire 12 en plus. Je pense que j'aurai assez. J'aurai assez. Normalement là oui, il y a encore du charbon qui traîne parce que j'avais voulu faire cuire de la bouffe là-dedans, mais au final c'est que des plats préparés. Voilà, nickel. On va se faire de la gunpowder pour faire des munitions. Doupidoupidou. Alors bon, du coup au final j'ai même pas testé mon C4. Je trouverais bien sur quelque chose sur lequel l'utiliser, vous en faites pas les gars. Ce n'est pas le problème. Ah, par contre je suis déshydraté, on va boire un petit coup. Faudra que je me fasse des gourdes aussi. Surtout pour les cavernes, parce que bon, là encore, à chaque fois on se déplace pas trop loin de la flotte, donc c'est pas vraiment un souci. Mais une fois qu'on commencera à vraiment faire des cavernes bien entières ou autre, bon, c'est pas de suite, hein, mais ce serait toujours pratique d'avoir des petites bouteilles sur soi. Alors, t'en es où toi? T'en es qui te manque? Weapon, on a dit primitive range. Ah, mais il faut du ciment aussi pour ça. J'avais pas calculé ça comme ça en fait. Parce que le ciment, encore dans une cabane à castor, il y en a. Le problème, c'est que là, si je vais chercher le truc, les castors vont m'aggro. Ils vont être vénères comme jamais. J'aurais peut-être dû garder la stone en fait. Hein. On va peut-être faire une ellipse. On va peut-être faire une petite ellipse. Vous savez quoi, les mecs, je vais faire une petite ellipse quand même. Le temps de finir tout ça, de tout préparer. Puis on se retrouve pour crafter l'arc une fois que j'ai presque tout fini. Allez, à toutes les gars. Hey! Bon, alors on se retrouve juste pour la fin de cet épisode. Je vous cache pas que j'en ai chié un petit peu. J'ai dû farmer masse pierre. J'ai dû farmer un millier de pierres presque pour le ciment, parce qu'en fait j'ai plus du tout de ciment là-dedans. J'en ai chié à finir les polymères, et en plus après il me refallait genre 85 de ciment pour faire l'arc que j'ai pas encore craft. Mais et le ciment en fait concrètement faut quoi? Faut de la 4 de chitine ou kératine, mais 8 de stone. Et du coup moi je suis parti chercher un petit peu de stone avec l'argent à 10, et la chitine, bah il nous reste 55 de chitine sur les 400 qu'on avait. J'ai tout cravé pour faire mon arc à l'accro. Donc prochain épisode sera peut-être un épisode de farming, les gars. Ce sera peut-être un petit épisode de... On va aller buter du dino. On va essayer d'explorer un petit peu aussi, je pense, pour voir... Je sais pas s'il y a des bons spots pour la chitine ou la kératine sur des mobs. Peut-être des scorpions, trucs comme ça. Je sais pas trop ce qu'il pourrait y en avoir. Bref. Du coup, voilà. On a nos polymères que j'ai pris. J'avais pris sur moi parce que j'avais peur que quelqu'un les utilise pour autre chose. On a notre ciment. On a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir craft notre arc. Ranch. Notre bow. On va turn on le truc. On va craft l'item. Et voilà. J'espère par contre qu'on peut utiliser les mêmes flèches. Je vous cache pas que ça me ferait chier que ce soit d'autres flèches qu'il faut prendre. Mais... C'est bon, personne n'est là pour me voler mon truc. Ils sont encore en expédition en train de chercher les trucs. Alors, hop, on prend ça. Et est-ce que si je glisse ça là-dessus, ça marche? Nickel! On n'a plus besoin de notre fameuse arbalète à la con. On va pouvoir la mettre là-dedans.
Est-ce qu'on la met pas là-dedans, les gars? On va la mettre là-dedans. Hop. Bon, il y avait une flèche tranquille en dedans, mais c'est pas grave. Et là, par contre, ça, mais normalement, cet arc-là, ouais, voilà. Il est juste trop stylé. En fait, on peut tirer très vite avec. C'est-à-dire qu'on tire, hop, on recharge, on retire, on recharge, hop, on retire, on recharge. Et ainsi de suite. Et on peut vraiment enchaîner les flèches et ça fait énormément de dégâts. C'est-à-dire que je pense que ça fait limite plus de dégâts en fait que ma petite. Que ça. Alors après, ça, c'est plus précis. C'est-à-dire qu'à distance, c'est quand même plus facile de toucher avec ça, je pense, qu'avec l'arc. Même si par la suite. Bon, je pense pas le faire dans, dans le prochain épisode où ce serait vraiment cheaté qu'on ait quand même pas mal d'armes dès le début. Mais par la suite, faudra refaire. Par la suite, il faudra tout simplement qu'on fasse tout ça en fait. Qu'on se fasse peut-être une M4 ou le fusil à pompe, je crois, est pas mal celui-là. Celui-là fait vraiment pas mal de dégâts. Donc, why not? Mais il nous refaut masse de ciment, donc voilà. Donc, concrètement, il faudra que j'aille farmer pas mal de trucs entre temps, donc ça sera pas tout de suite. On aura peut-être des petits épisodes d'exploration avec Pierre ou autre qu'on fera entre temps aussi, que je ferai en même temps qu'en live ou je sais pas quoi. De toute façon, comme je vous l'ai dit, en fait, hein, cette série sur Ark, bon, par contre, cet épisode-là est vraiment long, je crois qu'il doit durer 35-40 minutes, mais c'est pas grave. Mais sur Ark, comme je l'ai dit, c'est vraiment la série où c'est plein de petits moments en mode. Pierre, c'est le même délire. Hein. Pierre, c'est complètement le bordel ces épisodes, mais c'est plein de petits moments où on fait que de record des trucs, où on monte à chaque fois. Enfin, voilà. J'essaye quand même de à chaque fois me dire qu'il y a un début et une fin hein, aux épisodes. Hein. J'essaye un minimum de trucs quand même, une petite intro, une petite outro, mais voilà. Bon, sur ce, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Encore une fois, c'est un petit épisode cool. Cette fois-ci, bon, on n'était pas tout seul dans cet épisode-là, comme l'épisode précédent. Même si, bon, il y avait plus ou moins la moitié de l'épisode, on était avec Pierre en train de tamer nos petits dodos, nos petits frissés. Et puis, bah, le reste, voilà, on a fait une petite session. Sur le volcan. Voilà, sur ce, bah, j'espère voilà, que vous avez bien aimé cet épisode là. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou autre pour partager bah, votre ressenti. Pour si jamais vous avez des idées ou autre. À savoir, bon, je l'ai écrit dans le premier épisode, mais à savoir qu'en gros, je vous le dis maintenant, mais quand je record des épisodes, en gros, en fait, là, au moment où je record cet épisode là, je viens à peine de sortir l'épisode 1. C'est-à-dire que l'épisode 1 est sorti il y a une heure, et du coup, j'ai pas mal d'épisodes d'avance. Donc voilà. Pour ça, en fait, j'essaie de prendre pas mal d'avance sur l'épisode de Ark, simplement parce qu'il y a un moment en gros où j'aurais parti une semaine, et comme ça, moi j'aurai des épisodes de record d'avance, ce sera cool quoi. Alors après, Ark ne va pas remplacer Minecraft sur la chaîne, hein, si jamais il y en a qui se demandent, il y aura toujours du Minecraft, il y aura toujours des UHC, il y aura toujours des lundi PIP, il y aura toujours tout ça, évidemment. C'est juste en plus, hein, il y a toujours des switches de Patrick Wood si jamais on en fait. Donc voilà, toujours du piano aussi. Donc sur ce, bah, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, n'hésitez pas, bah, voilà, enfin, portez-vous bien, tout ça, bref, vous connaissez le rituel, allez, tout de suite, les gars.